Bonjour et bienvenue à cette 14e édition, je crois, de Lightroom, mais encore, on va parler de synchronisation de catalogue par le cloud. Le fameux cloud qui permet d'avoir les mêmes données sur différents périphériques. Donc on se dit, bah, pourquoi pas ne pas l'appliquer à Lightroom. Lightroom, on pourrait très bien imaginer d'avoir les mêmes données entre une station et un ordinateur portable en passant par le cloud. Oui, on pourrait en effet imaginer ça. Dans cette vidéo, on ne va pas aller dans Lightroom parce qu'en fait, je ne vais pas vous expliquer comment le faire. Je vais vous expliquer pourquoi je vous déconseille de le faire. Donc, si vous êtes un professionnel, vous savez exactement où vous mettez les pieds, vous avez parfaitement compris comment marchaient les fichiers Lightroom, le cloud et tout ça, allez-y tranquillement, vous savez ce que vous faites. Mais si vous êtes un amateur ou un débutant, puisque mes vidéos sont faites pour vous, je vais vous expliquer les risques que vous prenez à faire ça. Donc là, on a Lightroom, je dirais l'ensemble des choses qu'on a sur Lightroom. Et on a vu que lorsqu'on partait en vacances, c'est dans l'épisode 2 des vacances, on n'a pas forcément besoin des aperçus. Les aperçus vont être recréés sur le portable. On n'a pas forcément besoin des paramètres, puisque j'irai sur le portable, on ne va pas forcément avoir les mêmes paramètres de développement que sur la station. D'ailleurs, souvent, on ne fait pas forcément de développement sur le portable, on fait plutôt du tri. On n'a pas forcément besoin des négatifs, puisqu'ils seront remplacés par les aperçus dynamiques qui sont là. Donc, comment échanger le catalogue et les aperçus dynamiques par le cloud? On va regarder un peu ce qu'on a, quelle est la cible de la manip. On a une station, sur cette station on a des négatifs, on a des paramètres, on a des aperçus dynamiques et on a un catalogue. Sur le cloud, on va avoir simplement les aperçus dynamiques et le catalogue. Et sur le portable, on va avoir des paramètres qui sont propres au portable, des aperçus qui sont propres au portable. Par contre, on va avoir des aperçus dynamiques et un catalogue qui sont synchronisés avec le cloud. Alors, comment ça va marcher en vrai? J'ai ma station qui est allumée, je suis sur Lightroom et j'éteins Lightroom. Là, le logiciel qui va gérer le cloud sur l'ordinateur va dire, tiens, il y a une modification, faut que je l'envoie vers le cloud et il va envoyer le catalogue et les aperçus vers le cloud. Très bien, ensuite j'éteins mon ordinateur, j'allume mon portable, le logiciel qui gère le cloud sur le portable dit, tiens, il y a des nouvelles versions sur le cloud, je les ramène sur le portable et donc à ce moment-là, je peux travailler sur le portable. Sur le portable, je lance Lightroom, je ferme Lightroom, le catalogue a été modifié, il revient vers le cloud, j'éteins mon portable, je rallume ma station, et à ce moment-là, le logiciel qui gère le cloud sur la station voit, ah, il y a une nouvelle version sur le cloud, je ramène la nouvelle version sur le cloud. Jusque-là, ça a l'air simple, on se dit, nickel, ça marche tout seul. À part que les temps qui sont là de transfert, ils sont pas forcément immédiats, on peut aller jusqu'à 10 minutes sans problème. Et moi, je vais vous montrer ce qui se passe si pendant ces 10 minutes, vous respectez pas les règles, ce qui risque franchement de vous arriver assez rapidement. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai fait le test, hein, donc c'est pour vous dire. On a un ordinateur ici, on a toujours les fichiers sur le cloud, je fais du Lightroom, j'arrête mon Lightroom, les fichiers vont vers le cloud, là, il n'y a pas de souci. J'éteins mon ordinateur, j'allume mon portable, ça repart vers le portable. Du portable, je fais de Lightroom, et là, on va tester, en fait, je vais arrêter Lightroom sur le portable, la synchronisation va se lancer, mais bêtement, je vais allumer mon ordinateur et je vais lancer Lightroom et faire une petite modification sur le catalogue. Donc, quand j'éteins mon Lightroom ici sur le portable, le catalogue il commence à partir, mais comme je vous ai dit, ça peut être lent. Ma station, je la redémarre, je fais un peu de Lightroom, j'arrête Lightroom, et à ce moment-là, j'ai un deuxième catalogue qui part tranquillement vers le cloud. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Très bonne question. Là, ça va dépendre, j'irais, de votre logiciel de gestion de cloud. Moi, par exemple, avec Ubi, qui m'a créé un fichier conflit, et ce fichier conflit a écrasé le catalogue que j'avais ici. Et là, je me suis retrouvé avec un catalogue qui s'appelait conflit quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention à cette manip-là. En plus, c'est assez lent, hein, les transferts par le cloud, parce qu'un catalogue peut faire tranquillement 200 mégaoctets. 200 mégaoctets via une liaison Internet en upload, vous pouvez y passer quand même quelques minutes. Donc une clé USB, un disque dur ou ce genre de choses, ça ira quand même beaucoup plus vite. Les risques que vous prenez à tester cette manip, hein, en fait,
Les logiciels en eux-mêmes, ils vont sûrement marcher correctement, ils vont vous créer des doubles fichiers, des triples fichiers, ils vont sûrement pas trop perdre d'informations, mais vous, vous allez vous retrouver avec plusieurs catalogues, et donc ben, vous risquez d'effacer le mauvais, tout simplement. C'est vous qui risquez de faire une erreur de manipulation, parce que vous allez vous retrouver avec des données que vous ne maîtrisez pas, ou avec des processus que vous ne maîtrisez pas, et à la fin, vous avez potentiellement ben, perte de photos, perte de développement que vous aurez effectué. Donc voilà pourquoi je vous déconseille de faire la synchronisation de catalogue par le cloud. Lightroom n'est pas prévu pour, donc comme il n'est pas prévu pour, ça ne marche pas très bien. Donc travaillez plutôt, comme je vous ai montré dans le chapitre 12 et le chapitre 13, je pars en vacances en copiant soit le catalogue les négatifs, soit le catalogue les aperçus dynamiques avec une clé USB, un disque dur, tout ce que vous voulez, mais évitez de passer par le cloud pour Lightroom. Vous prenez quand même quelques risques si vous ne maîtrisez pas parfaitement le processus. Voilà, merci.